On y va? Diego, je te propose qu'on se mette face à face, sur le dos. On va partir l'écarté couché. Le dos bien plaqué au sol, les jambes fléchies. La nuque bien dans l'alignement de la colonne vertébrale. Vos épaules tout de suite abaissées. On descend, on ouvre les bras, on inspire. Sans précipiter, on remonte, on souffle. Allez, alors cet exercice-là permet de tonifier la poitrine, les pectoraux. Si toutefois avec les haltères c'est trop difficile, vous pouvez le faire aussi avec des bouteilles d'eau, en les remplissant plus ou moins pour avoir une charge un peu moins contraignante. Et si vraiment vous sentez que c'est pas possible, dans ce cas-là, vous le faites simplement à vide. Et puis la fois d'après, vous prendrez des petits haltères. Ok, la suite, on garde les mains en haut, stop. On descend les coudes près du corps, on inspire. On remonte, on expire. Cet exercice-là, il est bon pour travailler le triceps. Le petit muscle sur l'arrière du bras et le devant de l'épaule. Ok, descendez tranquillement, progressivement. On le fait en single, en bas et en haut. Encore. 4. L'exercice suivant, c'est le développé couché. On place les paumes de main vers l'avant, on descend en écartant les coudes et on remonte. Soufflez bien, expirez bien. Donc ça, c'est la version facile. Pour ceux qui veulent commencer à ajouter un petit peu plus de tension, vous descendez, vous remontez avec les épaules. Hop, haltère, les épaules, les triceps, les pectoraux et également les abdos. Ah, je vous ai perdu là, je me reconnecte. Ah, ça y est, je vous ai retrouvé, j'étais un peu inquiet. Hein. J'ai retrouvé le contact avec vous, encore 8 comme ça, 8, 7, 6, 5, 4, 3, la dernière, on revient la tête au sol, on replace les paumes de main face à face et on reprend l'ouverture en 4. Inspirez l'ouverture et soufflez en remontant. Et si vous avez suffisamment de contrôle avec la main, relâchez bien les doigts. Parfait, le même, encore, hop. Alors même si Diego il est facile, je vais aller voir le travail un petit peu. On a des options. Hein. La première consigne, les abdos serrés, le bas du dos plaqué. Si vous sentez que vous avez mal au dos dans l'exécution, montez les genoux sur la poitrine, levez bien les genoux. Voilà, ça vous permet de mieux protéger votre dos. Ensuite, l'idéal, c'est de le faire avec le bras quand même relativement tendu. Relativement, pas complètement tendu. Si vous sentez que c'est trop dur, n'hésitez pas à fléchir un peu plus les bras. Ça va? 8. Et toujours, toujours les épaules, surtout pas en haut. Épaules abaissées. Parfait. Il nous reste deux exercices à faire. Deux. L'exercice du pullover. On va partir avec les bras derrière, les mains sont serrées, on descend doucement, on inspire, hop, on rassemble à la poitrine, en bas, et on remonte. Alors là, vous êtes sur triceps, bras tendu Diego, hop, et on remonte, voilà. Ce qui permet de solliciter le grand dorsal, vous savez, le muscle des nageurs. Alors bien évidemment, vous n'allez pas vous retrouver comme ça, hein, avec un V super large. Il faudra en faire beaucoup avec des charges très conséquentes. En revanche, c'est bien de le stimuler de temps en temps. Et surtout, le dernier groupe musculaire, le triceps, vous savez, celui qui fait le bras fin. On bloque les coudes. On descend avec les mains, flexion, on rapproche un peu les coudes et on remonte juste avec les mains vers le ciel. Voilà, inspirez bien. Serrez les mains le plus possible. Là, vous êtes sur le triceps. Vous devez sentir l'échauffement, vous devez sentir que ça travaille. Ça va, Diego? Je suis un peu angoissé quand même. J'ai pas l'impression qu'il ressente quoi que ce soit dans le travail. J'espère que vous, à la maison, vous sentez que ça travaille un peu. Hein. Allez, un haltère, deux haltères, encore. Hop. Parfait. Diego, challenge. Dernière partie. Last one, on relâche, on pose l'haltère. Allez, vous et nous, ensemble. On attaque, position de gainage. Les jambes tendues, les épaules au-dessus des mains. Ça, c'est une option. Si au cours de la séquence suivante, vous sentez que vous fatiguez, vous n'êtes pas à l'aise, vous gardez juste la position de gainage. Sinon, on attaque tranquillement la descente sur les bras. Hop, 4 à la descente et 4 à la remontée. Diego, je te vois pas, mais je te fais confiance. Hein. La suite, c'est parti, notre challenge. Are you ready? Single, go. Allez. Autre option intermédiaire, vous êtes fatigué, vous posez les genoux au sol. Ça, c'est une option pour couper le poids du corps. En revanche, vous êtes à l'aise, vous gardez les bras. Allez, hop, hop. Les 6 dernières. 5, encore, 4, 3, 2, last one. Et on relâche, parfait, on relâche. Du côté là, il a la volonté, Diego. Hein. J'espère que vous aussi, vous l'avez la volonté. J'espère que vous aussi vous l'avez la volonté. Il y a des moments où c'est plus dur que d'autres, mais c'est important de ne pas lâcher. Diego, on trinque. Allez, à la tienne. Parfait, on trinque avec vous aussi. Hop, check. Prenez le temps de barre, c'est important.